must be you as you make a sound as I climb from the underground. Resonate. Silent sky everywhere, calling to save you now. Let's push the world aside. There seems nothing wrong with you. It's about Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la ferme de l'étang. Alors, normalement, c'est le 19e épisode, si je me trompe pas. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour tous les retours. Hein. L'autre épisode, alors c'est vrai que j'ai pas fait d'épisode comme je vous avais dit, mais malheureusement, à l'heure actuelle, je suis en train de préparer ma thèse pour les examens l'année prochaine, que je dois rendre après Noël. Alors donc c'est la vie les amis, hein. En tout cas, vous avez bien apprécié la pêche, mon petit Fraboule, mon petit loup, mes coucougnettes vont bien après cette baignade. Vous voyez que là-bas j'ai acheté un petit bus, ça sera pour fin de semaine. On ira chercher au jardin communaux. En tout cas, il commence pas à faire beau. On voit qu'on arrive bientôt à l'hiver. Et vu que mes petits, hein, que je salue bien sûr toute la Farming Family, je suis content du retour de mon petit Eddy. J'ai été lui faire un petit coucou dans sa vidéo. Je suis content, il a repris le dessus. Et papa Valaisan, il est content. Voilà. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les petits, là, le petit Vince, et puis, attendez, on va aller les voir, le petit Vince, et puis mon terrible, ils m'ont mis un petit commentaire, ils ont dit, ils ont faim. Bah, de toute façon, le terrible, il a toujours faim. Regardez, il est là-bas, au fond, le tout noir, là, le plus sale possible, et il y a le petit Vince qui vient vers moi, là, tranquillou, regardez-le, il fait sa petite danse. Ah ouais, il a des jolies fesses.
Bon, allez les amis, aujourd'hui, je sais que cette vidéo, vous l'attendiez depuis longtemps. On va aller finir les vendanges, parce que c'est là, bientôt la fin de septembre. Mais avant, on va, comment ça, mettre en route le... hop, et tu t'ouvres. On va mettre en route le fumoil, parce que bah, comme ça, ça fera des... Bah, ouvre-toi, Sésame. Mais pourquoi tu veux pas? Il veut pas s'ouvrir. Alors là, tu ouvres comme ça, d'accord. Et normalement, tu te mets là. Ah, voilà. Ah, j'aime mieux ça, les amis. Donc, rappelez-vous, je vous mettrai en haut le dernier épisode avec la pêche. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'ai été chercher des petits sacs parce que bah, on fera du bois cet hiver avec vu qu'il y a le broyeur ici. Alors, oups. Est-ce que c'est plein? Et c'est plein ça? Attendez, on va aller voir ça. Fume-moi. Parce que peut-être qu'un sac suffit. Les amis, et vous verrez que j'ai pas mal de tomates, de fraises, de choux-fleurs. Où c'est que tu es, petit fumoil? Pressoir. Je me réjouis d'aller finir avec vous les vendanges. Du reste, vous verrez que j'ai déjà bien avancé. Séchoir à foin, bah, y a pas. Alors, je ne sais pas si. On va essayer. Bah, écoutez. Le plus simple, c'est d'essayer, et puis on verra bien. Mais peut-être 100 litres, ça doit suffire. Oups. Comment il va? Comment il va le sac, là? Voilà. Oups. On va peut-être fermer ça. Voilà. On va mettre en route ce fumoir, comme ça. Hein? Oh, je vais pas donner les poissons fumés aux deux terribles. Hein? Ça, c'est clair. Ils ont... j'ai été récupérer la station d'épuration un peu de bouillabaisse. Alors c'est pas de la bouillabaisse qu'on apprécie tout le temps, mais ils auront à manger. Il faudra aller voir les vaches aussi, mais ça, ça sera dans un autre épisode. Allez, je pense qu'on va fermer là et on va ouvrir là. On va mettre notre poisson. J'espère qu'il est toujours frais parce que ça fait un moment que je l'ai pêché. Oups, normalement. Pop, on doit verser, non? Ah, c'est bon, il faut verser. Voilà. Oups. Voilà. C'est nickel. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo le week-end passé? Ben, je fêtais l'anniversaire à ma maman. Hein, que j'ai eu 7, c'est du reste aujourd'hui en plus. Mais on a fêté un peu plus en avance. On était au restaurant le week-end d'avant. Ben, j'avais mes petites filles. Donc voilà. Et je ne veux pas vous faire des vidéos juste pour dire je fais une vidéo. Hein, ça, vous le savez depuis le temps. Ouais, ben, il y en a du poisson. On ira repêcher, hein. Quoique j'espère pas qu'il y aura de la glace cet hiver. Oups. On va mettre comme ça. On va velser. Voilà. Ça, c'est nickel. On va refermer, bien sûr. Et on va aller allumer les caisses. J'en ai 6. Rappelez-vous que j'ai été chercher des petites caisses. Voilà. Normalement, ça doit brûler là-bas. Là. Attention, il va pas te brûler le papy. Hein. Attendez, regardez. Des belles braises. Et normalement, si je vais là, ça va commencer à fumer. Les jolis gardons. Ouais. Oh. Je vais fermer parce que... Hein. Allez, ça c'est bon. Par contre, j'ai vendu le pick-up, alors j'ai plus de véhicule. Comment on va se rendre pour aller finir les vendanges? Écoutez, on va aller, on va prendre le petit bubus. Le Mercedes ici, il est magnifique. Bien sûr, il y a
Oups, c'est comme ça. Voilà. Tac, dedans. Voilà. On va aller à mon domaine viticole. Et on va aller finir les vendanges. Il me reste pas grand chose. L'autre partie, je l'ai fait déjà labourer, quoi. Et pas labourer, mais traiter avec les fertilisants. Les chevreaux, les moutons, ils vont bien. On ira leur faire coucou peut-être en fin de vidéo. Et on viendra revoir le poisson fumé, les amis. Allez, on fonce parce qu'on n'a pas le temps. Et déjà 1h30, Petra va gueuler parce que j'ai loupé le souper, j'étais à la taverne. Oups. On va tourner ici. Oups. Et ce bus, il est vraiment magnifique parce que avec déjà le simplicité. Alors j'ai retiré le truc contrôle parce qu'il me faisait bugger avec un autre truc. J'ai vu aussi que, bien sûr, il y a une nouvelle mise à jour de Farming et j'ai pas fait encore la mise à jour. Alors, j'espère que ça va pas bugger avec la Hofbermann. On sait jamais. Pour l'instant, je l'ai pas fait, dites-le moi. Alors, si vous entendez un petit peu une tronçonneuse, c'est mon voisin de la maison à côté qui est en train de couper je sais pas quoi et il me casse les pompes parce que chaque fois que je veux tourner, il me fait du bruit. Voilà, on va mettre ça ici, je pense. Voilà, tranquillou. On va couper le moteur. Oups. Ah, il est vraiment magnifique. On peut ouvrir les deux portes de côté, les portes arrière. Regardez ici. Alors ça, il faudra attendre un peu l'automne parce que il faudra attendre que. Je pense, hein, parce que j'ai jamais été jusqu'au bout au niveau des vignes. Là-bas, qu'est-ce que ça dit? Au niveau lavage. Au niveau lavage, au niveau déchets organiques. Ah, est-ce que ça tourne toujours? Parce que j'ai déchets organiques qu'on pourra mettre pour faire du compost. Bon, le compost à la ferme, automatiquement, bah, il est plein, donc je peux pas en mettre. Il faudra voir, mais il reste plus beaucoup de raisins. Nettoyer, c'est vide parce que je pense qu'il faudra que je vienne peut-être avec un godet vider les déchets organiques. Normalement, on mettra en route ici le pressoir parce que ici, normalement, il doit y avoir pas mal de trucs. Du raisin, vous voyez qu'il y a, du fermenté déjà. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Et ici, il n'est pas en route normalement. Hop. Oui, j'ai pas encore fait du jus et du marc de raisin résidu de pressage. Et après, il faudra aller de l'autre côté pour faire du vin. Mais pour l'instant, les amis, parce que ça me coûte cher, la vendangeuse, elle me coûte cher. Alors ici, j'ai fait déjà. Vous voyez que si je mets comme ça. On voit rien. Mais on voit que j'ai déjà augmenté la valeur pH. Et c'est pas mal. Il faudra voir par la suite. Peut-être donner un petit coup de broyeur. Je ne sais pas. Il me reste cette parcelle à vendanger, les amis. Et on va le faire ensemble. Avant que le mauvais temps arrive. Parce que ça se couvre vachement. On va se dépêcher. On va vendanger ça. J'ai les deux remorques. Comme ça, je pourrais rendre la machine ici, la vendangeuse, parce qu'elle me coûte bonbon. Il ne me reste plus que 18 000. Rappelez-vous, dans l'autre épisode, j'avais peut-être baissé un petit poil le son. Voilà. J'avais déjà 31 000 parce que j'ai vendu du raisin. Et puis finalement, j'ai vendu le pick-up. J'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Oups, c'est parti, mon kiki. Ce qui est bien au niveau des vendanges, sur la Hofbermann, ils ont amélioré. Alors bien sûr, il ne faut pas partir sur les côtés, mais vous voyez, là, je ne suis pas tout à fait au centre. Et c'était la galère au niveau de blocage de la vendangeuse. Alors on verra. Je ne vais peut-être pas vendre le reste du raisin. Parce que de toute façon, on aura une grosse vente normalement en fin de semaine. Au niveau du jardin communal, bon, mon jardin, on va dire ça, il y a des pommes, il y a tout ce qu'il faut, il y a des oignons,
Il y a du raisin. Eh oui, il y a du raisin là-bas, mais c'est du raisin de table. Oups. Vous voyez que je peux tourner direct. J'étais pas crochet. Et ça, c'est assez fabuleux. C'était vraiment la galère sur l'autre version. Oups. Voilà. Regardez comme ça se fait bien, les amis. Hein? Mais par contre, le temps, il n'est pas des plus terribles, je crois. Hop. On commence à accrocher. Vous voyez que c'est assez large. Ça accroche pas, ça accroche pas. C'est bien. En tout cas, j'espère que je pourrai retourner pêcher un petit peu. On ira voir Ella pour vendre le poisson peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Pour l'instant, tout ce qui sera dans l'autre épisode, je vais pas trop vous en dire, mais je vais garder un peu de côté pour vendre au max. Parce que là, avec 18 000 euros, je vais pas pouvoir vivre tout l'hiver. Surtout qu'il faudra rentrer des vaches qui sont au pâturage. Et en plus, je n'ai pas, je crois, je ne sais même plus. Rappelez-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai acheté une mélangeuse? Je ne me rappelle plus. Alors j'ai des veaux, j'ai des genisses. Et tout est coin-coin, tranquillou. Eh oui, je dis tranquillou, bien sûr. J'ai tout normalement ce qu'il faut. Il faudra peut-être acheter encore des vaches. Mais je ne me rappelle plus si j'ai acheté une mélangeuse au niveau de la paille, tout ça. Normalement, je suis tip-top. Il y a peut-être l'enrubanné que j'ai pas assez. J'ai même peut-être pas du tout. Ça me gêne parce que j'avais pensé l'autre champ, ma prairie, de la refaucher encore une fois avant l'hiver et finalement, où c'est que c'est? Ah, c'est là. Ah, là, je suis coincé. Vous voyez que c'est quand même un peu plus large. C'est bien pratique. Et c'était long, les amis, à vendanger. Là, je peux vous dire que même qu'elle a. À 8 km/h, ça a été très très long. Heureusement que j'avais deux bennes. On les rendra parce qu'elles sont louées. Comme ça fera moins de frais pour l'hiver. Mais en tout cas, je vous ai évité un peu justement le traitement. Et j'appréhende quand il faudra effeuiller. Je sais pas si ça se dit effeuiller. Au niveau, mais ça c'est quand on ne pourra plus récolter. J'ai testé, je ne pouvais pas effeuiller. Pour tout dire, je suis content parce que quand vous m'avez permis d'acheter ce terrain vinicole, même que j'avais pas fertilisé rien du tout, j'ai eu un sacré rendement. Et c'est bien parce qu'on aura le vin. On aura le jus de raisin qu'on va aller justement après les vendanges là. On va aller vite fait, bien fait, mettre en route le pressoir. Et on se quittera là les amis. On se retrouvera. Je vais pas vous dire parce que chaque fois que je vous dis, j'arrive pas. J'ai toujours un imprévu. Mais je pense que ça sera pour le fin de la semaine. Il me reste encore 3 jours de cours, d'école, d'études en ce moment. Et donc vendredi, je serai à l'école. Tac. Et normalement, là, j'aurai pas besoin de vendre. Alors, si la machine à nettoyer le raisin est pleine, j'irai vendre encore chez Ella. Ça fera un petit peu de sous-sous. Et ça sera bien. Parce qu'il faudra quand même penser. Avoir un peu de bière en réserve, un petit peu de pinard. Hein? Ah, je suis plein. On va les vider. Je serais content de rendre cette vendangeuse. Parce que je peux vous dire qu'elle me coûte bonbon en ce moment. Oups. Et puis rendre les remorques, parce que de toute façon ça sert à rien de les avoir en stock pour faire payer des frais. Alors ils m'ont servi, ça c'est clair.
mais ça coûte cher. Ça coûte cher, ça coûte cher. Alors on va finir ça, les amis. On ira mettre en route après. Alors j'espère que bon, normalement, de toute façon, on est à côté. Où c'est que c'est qu'il faut recommencer. Je crois que c'est là. Hop. Voilà. Ici. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Ça va aller vite, les amis. Et après, on ira vider pour nettoyer ben, ça. On verra à la limite si je en garde un petit peu pour aller en vendre. On sait que le raisin se garde pas, hein, les amis. Après les vendanges, il faut le traiter tout de suite. J'ai vu ça dans une vidéo et puis on m'a dit tu peux pas le garder parce qu'au début je voulais le mettre dans des caissons. Parce qu'il n'y a pas de silo de stockage. C'est pour ça que j'en ai vendu. Quand vous avez rempli puis que c'est plein là-bas pour le nettoyage, eh ben voilà. Mais ça a bien rapporté et j'en suis compte. Voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que la vidéo, le dernier épisode de la pêche, puis que j'ai pris mon petit bain, hein, parce que je prends un bain une fois par année. Non, je déconne, les amis. J'espère, je vous la remets encore une fois pour ceux, et je vous mettrai à la fin de la vidéo, bien sûr, le lien de la série La ferme de l'étang. Ça m'a fait plaisir de voir, je peux vous dire, hier, j'ai mis un petit commentaire, de revoir le retour de mon petit Eddy. J'en suis content. Bien sûr, je lui fais plein de bisous de papa valaisan. Oups. Vous voyez que c'est plus facile maintenant. Et là, je ferai peut-être mon côté où on verra. Bah c'est vrai qu'il y a beaucoup qui m'ont dit dans les vidéos des chaînes on voit pas beaucoup les vignes. Alors, ça a été fait au tout début. Bah, c'est comme toutes les choses. Quand on voit les DLC, bah, tout le monde, quand le DLC sort, on présente les trucs et après on les utilise plus, on montre plus. Et hey, non, et c'est triste. Et là, alors, c'est clair qu'il y en a qui n'aiment pas la Hofbermann, vont dire oh ben c'est trop grand. C'est trop grand, c'est... Alors, je vous le confirme, au niveau vendange et traitement, c'est très très long. Mais vous mettez un petit peu la radio, tranquille, hein, tranquillo, vous mettez un petit peu de radio et ça va tout seul. En plus, je vous montrerai, quand on aura fini ici, je vous montrerai le petit engin que j'ai, qui va bien. Au fumier, j'ai un épandeur à fumier pour mettre dans les vignes, mais j'ai intérêt à en amener ici au domaine, hein, parce que ça prend du temps. Et puis il n'est pas grand, il n'est pas grand, les amis. Voilà, hein, on coule, on coule. Voilà, il reste 3 rangs. Vous voyez, même que ces petites parcelles. Bah, il y a du rendement. Alors, je ne vais pas remplir les deux remorques, mais ça complétera pour faire le pinard et amener une petite caisse au curé. Hein. Le dimanche, on va aller amener une petite caisse au curé. Il va être content. Note bien qu'il est toujours bourré toute la journée. Ça va le faire, les amis. Voilà, tranquille. Hop, c'est fini. Hop. Vous voyez, avant, on crochait. Et maintenant, on ne croche plus. Hop. Là, on ne voit rien. Hop. Voilà. Et je pense que ça va le faire que je ne serai même pas plein. Il y a peut-être un peu moins de rendement ici. Et moi, je le traiterai de mon côté, à moins que, dites-le moi dans les commentaires, vous voulez voir comment je traite le terrain ici pour monter le pH. Alors, bien sûr, j'ai mis quoi du... de l'engrais, on essayera par la suite en venir du raisin bio et du vin bio. Ça va être un peu compliqué, mais ça va, on va le faire. Autre annonce, je pense, je dis bien je pense, la semaine prochaine, en fin de semaine, il y aura le retour normalement
Je dis bien normalement, hein, vous attendez à rien, je vous avertirai dans l'épisode en fin de semaine de la ferme de l'étang, le retour de la ferme de l'ours. Eh oui, parce que ici, il faut trouver les moments. Et puis que quand on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à faire. Mais il y a quoi faire jusqu'à la semaine prochaine sur la ferme de l'étang, parce qu'il faudra nourrir. Hop. Un petit saut de cabri là, on va les vider directement ici. Comme ça, on prend la rente et on aura fini. Les vendanges, c'est fini les amis. Donc oui, retour de la ferme de l'ours. Je ne sais pas quand, mais ce sera fin de semaine prochaine. Fin de cette semaine, il y aura un autre épisode. On ira chercher un peu, ça fera de la vente. On montrera un peu le compte en banque. Donc là, on est vide. Ce qu'on va faire, on va la piller. Et je vais la rendre tout de suite, comme ça. Oups. La rendre, location. On va la rendre tout de suite. Comme ça, on n'a plus de frais parce qu'elle m'a coûté bonbon. Mais bon, je ne vais pas l'acheter parce qu'autrement... quand on voit le prix, il m'en faut des caisses de bière et puis faire la manche pour acheter la machine. Donc, on va les vider. Je vais décrocher une des remorques, mais je ne sais pas laquelle c'est qu'il faudra rendre. Est-ce que normalement il a 5 PC ici, mais je ne le vois plus parce que vu qu'il est interactif. C'est un peu embêtant, ça. C'est embêtant. C'est pas là. Ouais, c'est là. Aïe, c'est que j'ai enlevé le. Comment ça, le. L'intercontrôle parce qu'il me disait. Il faudra peut-être que je le remette. Oups, est-ce que j'arrive à tourner là? Ça doit passer. Ça doit passer comme papa dans maman. Regardez ça. Oh, ça suit derrière? Oui. Ça rentre comme dans papa maman, voilà. Allez, on va aller, je ne sais plus laquelle c'est que j'ai rempli. Ça doit être la première. On va aller vider la patate, le manque. On va se mettre un... Est-ce que l'autre est pleine? Non. Donc, on va détacher celle-là. Non, c'est pas sortir, c'est détaché. Et on va aller vider celle-là. Et on mettra en route le pressoir cette fois-ci. Après, on suivra pendant l'hiver la fabrication pour faire. On gardera peut-être un peu de jus et on fera du vin, bien sûr. Par contre, je pense qu'on viendra charger une remorque de résidus parce que là, je sais pas s'il va continuer à produire le lavage. Ouais, ça me sert à rien d'aller vendre ces 3100. Voilà. Et on va rendre les deux remorques. Regardez, on va la détacher. Celle-là. Voilà. Et on pourra rentrer avec le tracteur. Quoique le tracteur, je vais le laisser ici. Oups. Ah, il faudrait que je remette le truc interactif parce que. Alors, vous voyez l'engin là sur votre gauche. C'est ça que je croche et ça laboure et ça met de l'engrais direct. On a dit qu'on rendait ces deux remorques. Oui. Oh, j'en ai une. Oh, on va la vendre. On va la vendre. Parce que je ne veux pas la garder. Ça fera 12 000 de plus. Ça ne sert à rien de garder une remorque ici. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas loué. Voilà. Donc on est remonté à nos 31 000. On va aller vite fait voir si ça tourne toujours ici. D'après le bruit, oui. Raisin nettoyé. Il faut vraiment, je pense qu'il faudra que de mon côté venir vider les déchets. Mais les déchets, c'est ici. Il faudra prendre un godet. Donc je viendrai avec une remorque. On verra. Donc on va aller ici direct. Ici. C'est toujours actif. Tac, ça c'est bon.
Et on vient ici, et ici, on va activer la machine. Alors, tout ça, ça demande de l'argent. Hein. Vous voyez que ça fait déjà du jus. Le mort de raisin, il n'y en a pas. Et quand il y aura du jus de raisin, ah, c'est magnifique. L'animation est vraiment magnifique. Et les tuyaux sont branchés. Marcel a branché les tuyaux. Alors, je pense qu'ici, on viendra chercher les résidus. Ah ouais, c'est déjà caca ici, hein. Ah, mais l'animation, je sais pas ce que vous pensez, mais elle est vraiment magnifique. Et bah ici, je vais mettre dans les trucs. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit rien. Ah, il faudra vraiment que je regarde parce que normalement ici, jus de raisin 20. Ah, oh, ben ça va très 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 vite. C'est pas ici qu'on fait le vin, je crois. C'est ici, non? C'est pas ici qu'on fait le vin? Si, la porte, là. Où c'est qu'on fait du vin? On regarde juste ça, les amis. Le pressoir est en route. Maturage, traitement des raisins. Jus de raisin, vin rouge. Mais c'est où? C'est bien joli, où c'est qu'il est? Bah, il faudra que je regarde ça, les amis, parce que je ne me rappelle plus comment on va faire du vin. Là, c'est le riz. Il faudra peut-être venir chercher le jus de raisin ici et l'amener où? Ah, mais oui, mes amis, il y a un truc à plus loin, au village, je crois. Je vais regarder ça de mon côté moi je vais vous souhaiter une bonne semaine, on est mardi, j'espère que l'épisode vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un max de pouces bleus on se dit tout bon et à la fin de la semaine les amis, bye bye.